sont les premiers ennemis du Cameroun. Moi j'ai juré de dire la vérité. Tant pis pour moi si je suis emprisonné. Donc, je me présente, donc je suis Yannick Appy, je suis membre du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Donc j'ai également la charge donc, de la communication pour la région, en ce qui concerne la région Europe. Je dois dire effectivement que je suis particulièrement heureux de vous voir tous réunis ce jour pour vous imprégner de la situation des droits fondamentaux et de la démocratie aujourd'hui allègrement, j'allais dire, méconnue aux citoyens camerounais. Finalement par un régime qui est en fin de règne et qui est devenu illégitime depuis le 7 octobre 2018. Alors, illégitime puisque effectivement sorti par les urnes. Il s'agira aujourd'hui de vous entretenir au cours de cette conférence sur cette importante actualité qui concerne donc les enlèvements extrajudiciaires dont était victime le président élu, le professeur Maurice Kamto, les membres de son équipe de campagne, mais également les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Je voudrais, et ce sera véritablement quelque chose, notre objectif durant cette conférence, vous demander d'être extrêmement attentif aux éléments qui vont être avancés, puisque nous allons évoquer ici, vous l'avez bien compris, hein, on est dans un contexte qui est surtout fortement imprégné de juridisme, mais je voudrais rappeler qu'on est avant tout dans un contexte uniquement politique. Hein, et donc cette conférence sera l'occasion de vous révéler, j'allais dire, les dessous finalement de cette actualité extrêmement forte. Nous allons également évoquer, et je pense que certains d'entre vous l'ont traité déjà dans divers médias, dans vos médias respectifs, mettre en avant cet aspect qui a été encore ignoré récemment, mettre en avant le fait qu'on assiste à une sorte de stratagème qui n'a pas démarré, j'allais dire, depuis fin janvier, mais en réalité qui a démarré depuis quelques années maintenant. Donc ce sera l'occasion pour les différents intervenants qui vont intervenir ici de revenir là-dessus. Je dois vous faire néanmoins une petite précision, c'est que nous allons avoir deux intervenants. Donc à ma suite viendra intervenir M. Henri Djoko, qui est le responsable du mouvement pour la renaissance du Cameroun pour la région Europe, mais également l'avocat qui a été saisi en région Europe par le MRC, Maître Adil Savan, qui va vous entretenir sur l'aspect juridique de cette affaire et vous faire part également des points qu'on a mis en avant dans le cadre de ce dossier. Donc, dernier point, et je laisserai la parole donc à M. Djoko. Nous avons prévu, nous avons rassemblé dans des clés USB des éléments contextuels concernant effectivement cette actualité, cette crise, pour vous accompagner dans le traitement de ce dossier dans vos divers médias. Donc, ces clés vous seront distribuées à la fin de cette conférence, mais vous allez effectivement pouvoir poser des questions à la fois aux responsables de la région, mais également à l'avocat, et éventuellement moi-même s'il fallait revenir sur certains points. Donc, je vous remercie encore une fois d'être présent, et je demande à M. Djoko, effectivement, de prendre la suite. Merci.